Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur la démo de PES 2019, un petit peu en retard parce que j'étais en vacances. La capture que vous allez voir, je l'ai prise de la version One X, donc vous la verrez après. J'ai décidé de vous faire une capture comme ça, sans commentaire, sans rien, pour que vous puissiez profiter de l'ambiance du jeu et tout. J'ai fait la capture sur la One X en 4K, HDR, tout ce qu'il faut. Voilà, je voulais juste simplement vous parler un petit peu de cette démo. Donc dans la démo, on a le Barça, Schalke 04, je vais regarder en même temps, Liverpool, l'Inter, le Milan AC, Monaco, Sao Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, l'Argentine et la France. Il y a deux stades, il y a le Camp Nou et un autre stade, je ne me souviens plus lequel c'est. On peut jouer de jour, de nuit. On peut jouer, je crois, avec de la pluie, sans pluie. On peut changer la hauteur de la pelouse et la choisir humide, sèche ou normale. Voilà. En termes de difficulté, je ne sais plus comment je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis à l'avant-dernière difficulté sur cette capture. Donc, en professionnel, après il reste superstar et on repasse à débutant. Donc j'ai mis en professionnel. Donc c'est pas un match à grand spectacle évidemment, parce que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Donc il n'y a pas 150 000 actions et tout. J'ai préféré mettre une difficulté plus haute pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc moi en tout cas, si je peux donner mon ressenti vite fait, franchement ils m'ont donné envie. Vous savez déjà, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, que j'avais PES 2018. Donc, de toute façon, j'étais plus parti sur PES 2019. Et là, avec ce que j'ai testé, ils m'ont donné envie. J'ai trouvé le jeu bien posé. J'ai encore vu, dans un ou deux matchs que j'ai fait, dans un match, que les frappes de loin passaient encore un petit peu. Mais ça a l'air moins présent que dans le 2018 quand même. Et puis, c'est la démo, c'est pas encore tout à fait. Voilà. Pour ceux qui me diront dans les commentaires, oui, l'effectif est pas à jour, il y a encore Iniesta au Barça, machin. C'est une démo, donc arrêtez de jouer les cons à chaque fois et de faire ce genre de remarques, car vous savez très bien que même dans la démo de FIFA, ce ne sera même pas à jour non plus. C'est bien précisé quand on démarre la démo que les effectifs datent de la fin de la saison dernière et que pour le jeu final, ce sera corrigé, comme la deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France qui sera rajoutée dans la version finale. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, vous allez voir, le moteur graphique a évolué, la pelouse est beaucoup mieux faite, le public aussi, les lumières sont vraiment, la gestion de la lumière est tout vraiment bien, vraiment très très propre. Le jeu a évolué dans le bon sens aussi en termes d'animation. La fatigue est beaucoup plus présente au niveau des joueurs, on le voit ne serait-ce que dans leur attitude et leur animation. Mais j'ai eu le cas aussi dans un match où j'ai eu un joueur qui se tenait la jambe et en gros j'ai eu un message qui s'est affiché qui me disait qu'il était en gros il était cramé, il avait mal à une cuisse et qu'il fallait que je le sorte parce qu'en gros il était mort et que si je le laissais sur le terrain il allait se blesser. Donc voilà, il y a ce genre de choses maintenant qui sont pris en compte. Ils ont rajouté les changements à la volée comme on avait dans FIFA l'année dernière aussi. Donc ça vous allez me dire oui ils ont copié de FIFA machin, mais pour tout ce que FIFA a pris du côté de PES, bon, c'est de bonne guerre. Sinon, après, bah, pour le reste, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai pas vu la Ligue des Masters, j'ai pas vu ce genre de choses qui apparemment a évolué aussi. On verra ça avec le jeu final. Je suis pas sûr de vous faire une vidéo sur le jeu final parce qu'après, bon, le plus important là, c'est de voir à quoi ça ressemble et de voir du gameplay. Après, le jeu final, ce sera globalement la même chose. En plus, le jeu final, je pense que je le prendrai sur PS4 pour avoir le patch. Le patch du site sur lequel je télécharge tous les ans et qui est dispo que sur PS4. De toute façon, sur PS4 Pro et sur One X, le jeu est pareil. Hein, il est en 4K HDR, voilà, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence entre les deux versions. Donc voilà. Simplement sur la One X, je peux vous faire des captures en 4K et là, ça me paraissait important de vous faire ça. Donc écoutez, je vous laisse sur ce match. Le jeu sort fin août, le 30 ou le 31, je ne sais plus combien il y a de jours ce mois-ci. Donc au prix, comme d'habitude, à peu près de 50 € sur Internet. Hein.
Donc voilà, je vous laisse avec un match, peut-être un deuxième d'ailleurs, je vais peut-être en mettre un deuxième, je ne sais pas. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.